Les proies de la taille d'un lapin et d'un pigeon, sans problème. Nous avons l'air donc elle est bien armée cette buse, comme vous pouvez le voir. C'est ses qualités de chasse qui sont recherchées par de nombreux fauconniers dans le monde pour son élevage, cette buse de Harris. Alors Raven est une forme, c'est une femelle, une chère de fauconnerie. Les mâles sont appelés des tiers isolés, plus petits que les femelles, en général, plus les rapaces d'un tiers. Ces groupes familiaux en général sont dominés par des femelles, des matriarches. Femelles dominantes donc, qui peuvent également pratiquer la polyandrie, c'est-à-dire avoir plusieurs mâles pour elles toutes seules. Les joueuses territoriales, elles défendent un territoire de chasse toute l'année. Voilà, pousse-toi de la queue, 8 mètres. T'as raison, il n'y avait pas cette place sur le perchoir. Une proie soit s'écraser par les voitures, c'est pour ça que vous voyez fréquemment des rapaces. Pour les chasseurs, ce que nous ne faisons pas ici, pour leur donner de la rapidité sur leur proie. Et Raven va rentrer à la maison maintenant, notre but de la reine de l'année, qui vient d'arriver le premier éclos ici aux eaux du Pi. Cette saison, puisqu'ils ont environ un mois et demi chacun, de gros bébés qui apprennent juste à voler. Voilà. Qui est pour contrebalancer le poids du mec. Et comme un repère assez visuel. Alors, tant qu'elle a suffisamment de matière pour s'agripper, hein, ça tombe bien. Et le mec, il est ferme, hein, pour sa proie, il lâchera pas le morceau comme ça. Dans les groupes de vautours, il y a une... La posture d'intimidation, c'est comme ça que normalement tu devais atterrir. Elle est écartée, cou tendu, voilà, on fait le cacou comme on dit dans le sud. Et vautour. Ah, il a choisi le meilleur moyen pour décoller, il a pris le perchoir intermédiaire aujourd'hui. Pour arriver en face. Vous dire bonjour d'un peu plus près, je suis sûr qu'il y en a qui ont envie de lui faire des câlins, il a une bonne tête à le dos. Arrive. Ouais, c'est toujours ça en moins. Ouais, les petits bisous de vautour, c'est très désagréable parce qu'ils ont un bec redoutable. Vaut mieux éviter. En blanc montagne. Et puis l'excellence pour planer là, portée par les ascendances thermiques, c'est plus facile. Et ils sont adaptés au mode de vie, chers, regardons sur le bloc, c'est bien de faire l'effort. Attention à la marche. Et on l'a dû rater plusieurs fois. Les marches aujourd'hui, pas beaucoup de force par rapport aux autres rapaces. Forcément, il ne chasse pas, je lui ai dit, mode de vie, chat regard, et d'ailleurs tête et cou déplumés, allongés de cou, pour aller chercher les meilleurs morceaux tout au fond des charognes. Souvent, en passant d'ailleurs par les oreilles. Regarde, elle repasse, regarde, regarde, elle revient. Tu peux garder la plume, donne. Regarde, regarde. Ah bah, ils vont arriver. Tranquillement, ils apprennent aussi à s'entraîner. Pour intégrer progressivement le groupe, comme toutes les cigognes qui sont écloses ici les années précédentes. Très débrouillard ce petit héros, il a colonisé le monde entier en un peu plus d'un siècle maintenant. Il est présent sur tous les continents alors qu'à la base il était simplement africain. Mais il a profité de l'extension de l'agriculture dans le monde. Ce héros se voit plutôt dans les prairies et dans les champs à la recherche de petits aigles. Il ne pêche pas beaucoup ce héros, contrairement aux autres. Forcément autour du bétail, il y a souvent plein de petits animaux et notamment des mouches, sa spécialité. Sacré but originaire d'Afrique, hein, cette ibis. Divinisé même dans l'ancienne Égypte, le dieu Thoth avait une tête ibis. Elle sert un peu par les filles. Les gars, d'ailleurs, les cigognes et les ibis sont très voraces, comme vous pouvez le voir. Les cigognes, on les reconnaît, leur grand bec qui leur sert de pince, en fait, elles sont carnivores. Leurs pattes déchassées leur permettent d'arpenter les prairies et les marécages. Et tout est bon à manger hein, pour une cigogne ou un ibis. Évidemment, ils préfèrent la viande, toutes sortes de petits animaux. Tant que ça passe par le gosier, tout ce qui bouge, et même ce qui ne bouge pas d'ailleurs, est bon à manger. Tous les croquettes spéciales que nous leur proposons pour compléter leur régime. D'ailleurs, les Milans noirs, au passage, eux aussi, ils sont plutôt friands de ces croquettes. Et les Milans, ils sont déjà rentrés à la base. Hein. Ils n'aiment pas ce vent aujourd'hui. Les rafales ne leur plaisent pas. Au même passage, les gars, merci de faire l'effort. Je l'ai dit, graines ou verdures, hein, par exemple, peuvent compléter leur régime. Ces ibis sacrés sont même d'ailleurs assez voraces, puisque... considérés même comme invasifs en France. Ils peuvent mettre en péril la survie d'autres espèces en Bretagne, là où il y a une colonie de ces ibis sacrés africains, donc à la base implantés. Évidemment, ce n'est pas leur emplacement d'origine, ils sont arrivés accidentellement. Il y a de nombreuses espèces considérées invasives en France, comme la reine instable. Ce sont nos responsabilités, puisque ce sont nous qui introduisons volontairement ou non des animaux, comme des animaux domestiques, et par exemple les chats, qui entraînent disparition de milliards d'oiseaux tous les ans à l'échelle planétaire. Les cigognes blanches aussi, on l'oublie souvent, mais elles ont failli disparaître, nos cigognes. Un plan de réintroduction s'est mis en place il y a quelques années pour ces cigognes blanches.
qui allaient disparaître, il n'en restait que quelques-unes à peine. Et heureusement, on a pu en relâcher un grand nombre. Toutes ces actions de conservation dans les parcs animaliers ne sont possibles que grâce à vous, les visiteurs. Ils sont très attachés à leur pigeonnier, bien sûr. Leur véritable pigeonnier, c'est dans...